Bonjour, je suis Florent Biat de l'Opéra National de Paris, ancien choriste du grand art classique de la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé et ancien chef de chœur de la chorale Merci Yahweh de Nicole Bisson. Comme vous pouvez donc le remarquer, je n'ai jamais été membre de la Voix du Cénacle. Par conséquent, je n'ai jamais rencontré le professeur Gervais Mendoza non plus. Je voudrais ici faire un petit témoignage en toute humilité, un petit témoignage en tant qu'observateur du monde culturel et, si on peut le dire aussi, en tant qu'acteur dans ce monde-là. Je le ferai mon témoignage sur trois volets. Donc le premier volet, je parlerai du professeur Gervais Mendoza, grand homme de culture, du professeur Gervais Mendoza, grand mécène, du professeur Gervais Mendoza, grand humaniste. Il a fallu que je sorte du Cameroun pour que je me rende compte de l'urgence et de la nécessité de préserver notre culture. Il se trouve que, à un moment donné de l'histoire de notre pays, le professeur Gervais Mendoza a joué un rôle majeur dans la vulgarisation de nos langues, de nos rythmes, de nos musiques à travers ses œuvres musicales. Parce que le travail qu'il a accompli avec la Voix du Cénacle, c'est un travail immense. Professeur Gervais Mendoza, je me souviens à l'époque, il a été précurseur de la musique religieuse modernisée, au point où certaines de ses œuvres, des œuvres qui sont classées catégories religieuses, ces œuvres-là, on les dansait en boîte de nuit. Et c'était tout simplement fabuleux. Quand on va chercher dans la discographie de la Voix du Cénacle, mais c'est un travail immense et diversifié surtout donc sur le plan culturel. Je pense que ce monsieur, il a accompli un travail énorme. Alors, concernant l'homme grand mécène, je vais également vous apprendre que c'est en Europe que j'ai appris le rôle des mécènes dans le soutien de la culture. Tenez par exemple à l'Opéra de Paris où j'évolue, l'Opéra fonctionne en majorité grâce aux dons des mécènes. Et une fois de plus dans notre pays, le professeur Gervais Mendoza s'est illustré dans ce sens-là. Parce que rassembler autant de choristes, des musiciens, des instrumentistes, et faire une grande structure artistique comme la Voix du Cénacle, surtout en faire une chorale internationale, parce que ça, il faut le dire, la Voix du Cénacle est un chœur international qui est connu à travers le monde. Donc, franchement, rassembler autant de choristes, autant d'instrumentistes, autant de techniciens, autant de monde parfois en galère. Je pense que il faut saluer des gestes comme ça. Les jeunes artistes camerounais ont besoin des hommes, des mécènes comme le professeur Gervais Mendoza qui leur tendent la main et qui leur fait réaliser leur rêve. Parler brièvement du côté humaniste du professeur Gervais Mendoza, je voudrais évoquer une petite anecdote. Lorsque j'étais étudiant à Yaoundé, j'ai traversé des moments difficiles, j'arrivais pas à joindre les deux bouts. Et j'avais entendu tout le bien que l'on disait sur l'homme Mendoza. Oui, j'ai entendu parler du fameux mur des lamentations. Et donc, je me suis décidé, dans mes moments de galère, d'aller rencontrer le professeur Gervais Mendoza. Donc, je suis allé
plusieurs fois à la CRTV, mais malheureusement, j'ai été recalé à la guérite. Je n'ai jamais pu le rencontrer jusqu'à ce que je m'envole pour la France. Et lorsque j'arrive en France, je fais la rencontre de ma charmante épouse. Chemin faisant dans nos causeries, j'apprends qu'à un moment donné de sa vie, le professeur Gervais Mendozé avait payé sa scolarité sans même la connaître. Donc c'est pour dire que la générosité de ce monsieur est, on va dire, légendaire. Et je tenais à lui dire merci aujourd'hui pour tout ce qu'il a fait pour la jeunesse camerounaise. Même si personnellement je n'ai pas bénéficié de ses bienfaits, je suis tout de même reconnaissant pour mes autres collègues qu'il a mis en lumière. Je suis tout à fait reconnaissant et je voudrais lui dire merci aujourd'hui. Au nom de toute cette jeunesse, je voulais dire merci au professeur Gervais Mendozé. Merci à Souverain pontife et très saint père. Souverain pontife et très saint père. Asimbae, avaladava, Asimbae. Asimbao, avaladava, Asimbae. Aligeva, aligeva. Aligali, aligali. Monozamba, que tombe, mimbombo, Asimbae. Qui n'a pas dansé ce morceau en boîte? Bon concert à vous, à la Voix du Cénacle. Vous avez tout mon soutien. Ciao.